Donc, je m'appelle Delphine Hoffmann, je suis responsable du développement et des partenariats de l'association Lorette Fugain. L'association Lorette Fugain a été créée en septembre 2002. Elle lutte contre la leucémie au travers de trois missions principales. Informer et mobiliser autour des dons de vie. On parle des dons de sang, de plaquettes, de moelle osseuse, de sang de cordon. La deuxième mission, c'est le financement de la recherche médicale sur les maladies du sang. Et puis la dernière mission, c'est l'aide aux patients et à leurs proches. Alors je pense que c'est une excellente initiative parce que c'est une très belle façon d'allier l'agréable, le ludique, à la mise en avant et au soutien de causes essentielles à soutenir et à porter. Alors, le développement des pages de collecte sur des événements sportifs est quelque chose de très intéressant, qui porte beaucoup l'association. Il faut savoir que ça permet d'aider de façon très concrète les différents combats et qu'en fait, les sommes sont assez faciles à réunir. On a l'impression au départ que c'est important d'arriver à réunir 1000 euros, que c'est une grosse somme. Et finalement, on se rend compte que chacun mobilisant ses soutiens, parfois avec des dons de 10-15 euros, qui une fois la déduction fiscale faite, ça revient à 4 euros par exemple, si on prend un don de 10 euros, eh bien on se rend compte que finalement ça va très vite et que les amis, les proches, le réseau sont souvent très contents de pouvoir apporter une contribution concrète aux causes qui sont soutenues par les uns et les autres au travers de ces pages de collecte. Alors 1000 euros, c'est une très belle contribution qui peut permettre de nous aider à financer des projets de recherche médicaux qui sont excessivement importants pour arriver à trouver des traitements dans le cadre de tous les sous-types de leucémie qui n'ont pas encore trouvé de traitement efficace. Et puis ça peut être également une contribution à l'optimisation d'un service hospitalier, à l'aménagement de conditions plus chaleureuses dans le cadre de l'accueil des services.